Good morning, allez, Iden, les tisserands aujourd'hui, les lunishmat, les charon ben fortune mazal, Claude Israël ben fortune mazal, et Moribi Rabbi, Shmuel ben Shlomo Zalman. Si vous souhaitez vous aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à la Sarah de Rosh Hashanah, Père Gidalet Mishnah, la Fiom Tov, Shab Rosh Hashanah, Shechal Dirot Beshabbat, Bamigdash, Ayotok Ein, Avalo Bamedina, Meshecharav et Amigdash, Itkin Rabban Yochanan ben Zakai, Sheyotok Ein, Bechol Makom, Sheyesh Bo Bet Din, Amar Rabbi El Azar, Lo Itkin Rabban Yochanan ben Zakai, Ela Beyavne Bilvad. Yom Tov Shel Rosh Hashanah, le jour de Yom Tov de Rosh Hashanah, Shechal Yod Beshabbat, qui tombe à Shabbat, soit une année, donc le premier jour de Rosh Hashanah, l'unique jour de Rosh Hashanah, parce qu'avant il y avait un seul jour de Rosh Hashanah, à l'époque du Bedin, à l'époque du Beth Amikdash, eh bien, Shechal Yod Beshabbat, Rosh Hashanah se tombe à Shabbat, concrètement, allez bien. Bamigdash Ayutokin, au Bet Amigdash, il sonnait du chauffard, Avalo Bamedina, mais pas dans le reste du pays. Une petite marloquette sur Yerushalayim, où la placer, on expliquera quelque chose après. Mais pour le moment, d'abord le principe. Il y a toutes les mitzvot que l'on doit accomplir, que ce soit la Megillah à Purim, ou que ce soit le chauffard à Rosh Hashanah, ou que ce soit le Lulav à Sukkot. Ramim ont décrété que nous ont dispensé d'accomplir ces mitzvot en fait. Ils ont la force de faire ça. Pourquoi? Parce que pour eux, parce que étant donné que ce sont des choses qui nécessitent un apprentissage, d'accord. Donc on avait peur que les gens allaient se mettre à transporter pendant Shabbat le chauffard pour partir chez le Rav, le loulav pour partir chez le Rav pour que le monde commence à faire le nanoua. Pour la Megillah, pour le montrer comment. D'accord? C'est ce qu'on appelle le Xera des Rabbas, dans la Mishnah. Xera des Rava, plutôt. Il y a. Les Chachamim ont décrété qu'on n'accomplit pas assez mitzvot pendant Shabbat, de peur qu'on va transporter dans le Jeu Tarabim. À une exception, Bamigdash. Au Bet Amigdash, où, selon le Rambam, il rapporte le Barthénora, selon le Rambam, dans tout Yerushalayim aussi. C'est le même principe. On a une permission spéciale, étant donné que, au moins au Beth Amikdash, c'est facile à expliquer, au Beth Amikdash, il y a là-bas des gens qui sont zrizim, la mitzvot, des gens qui savent faire très attention, bien faire complètement la mitzvot. Vous imaginez, au Beth Amikdash, c'est le Kohanim qui était l'emblème de la Shmirat à Torah, va mitzvot. Eh bien, dans ce cas-là, on n'avait pas de crainte que quelqu'un les transporté en chauffard par le monde au Beth Amikdash. Il n'y avait pas de risque. Donc, du coup, alors selon Rambam, par extension, on a aussi inclus tout Yerushalayim. Ou là-bas, on sonnait le chauffard, mais dans le reste du pays, on ne sonnait pas le chauffard à Rosh Hashanah. Mishecharav Bet HaMikdash, depuis que le Bet HaMikdash a été détruit, Itkin Rabban Yochanan Ben Zakkai, il a instauré Rabbi Yochanan Ben Zakkai, que Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il a fait plusieurs décrets en rapport avec la destruction du Bet HaMikdash, on le rencontre dans plusieurs endroits, et eh bien, il a été décrété que quoi? Sheyu Tokin Bechol Makom Sheyesh Bo Bet Din, que l'on pourra sonner du chauffard, puisqu'il n'y a plus d'Yerushalayim, il faut au moins qu'on sonne du chauffard quelque part. Alors, de partout où il y avait un Bet Din, c'est pas trois personnes, c'est 23 juges qui étaient capables de juger les condamnations à mort, partout où il y a un Bet Din, on pourra sonner du chauffard. D'accord? Juste qu'il y a une certaine importance. Quelle est la nécessité? C'est le même principe. Puisqu'au Bet Din, il y a les Rabbanim Chashuvim qui sont là, alors les gens ne vont pas se mettre à transporter leur chauffard. Le Bet Din est assez responsable pour instaurer et décréter et vérifier que les gens ne vont pas transporter le chauffard. Donc du coup, on a pu dispatcher et les laisser tous s'occuper de leur secteur, que les gens n'apportent pas leur chauffard au Bedin, et comme ça, ils pourront venir au Bedin et s'acquitter de la misa. Ok? Amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar, « Lo itkin Rabban Yochanan men zakkai el abeya avne bilvad » Rabbi Elazar, il a une discussion. Il discute, il n'est pas d'accord, il dit non. Rabbi Yochanan men zakkai n'a pas décrété que partout où il y aura un Bedin. Il y a plusieurs sortes de Bedin. Il y a le Sanhedrin Ktana et le Sanhedrin Gdola. Le petit Sanhedrin et le grand Sanhedrin. Sanhedrin Ktana, il y a 23 juges, c'est vrai. Le Sanhedrin Gdola, c'est là où il y a 71 juges, c'est dans un seul endroit, initialement au Beth Amikdash. C'était à la Lechkat Hagazit, au Beth Amikdash. Depuis qu'il a pu le Beth Amikdash, alors il s'est déplacé plusieurs fois. En l'occurrence, là, à son époque, il était à Yavne. À l'époque de Rabbi Hanan, c'était à Yavne. Et Yavne, là-bas, il y avait 71 juges, c'était le top des tops. C'était la très haute cour de justice, les plus grands d'Ayanim, il y avait 71, et là-bas uniquement,
on a pu substituer Yerushalayim avec Yavne, là où il y avait les 71 juges. Mais dans un endroit où il y a juste les 23 juges, ça ne suffit pas pour permettre de sonner le shofar à Shabbat. Telle est l'avis de Rabbi Elazar. Amroulo, ils l'ont rétorqué, mais on dit non. Echad Yavne, vechad kol makom sheyesh bo bet din, que ce soit à Yavne, ou que ce soit dans n'importe quel endroit où il y a un bet din de 23 juges, eh bien, on pourra sonner le shofar. Il n'a pas précisé, même, il y a même un avis qui pense que, même s'ils n'ont pas l'habitude de s'asseoir, mais là, cette fois-ci, on a les 23 juges qui sont trouvés dans un endroit, eh bien, ils pourront même aussi tolérer de sonner le shofar à Rosh Hashanah. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.